L'hippodrome de Paris-Vincennes déroule son tapis noir pour un meeting de 4 mois de compétition de haute volée. J'espère qu'Isaac et Anthony vont tenir la distance. Je leur ai concocté un régime minceur à la carte, avec du boulgour et du quinoa, pour résister aux températures hivernales. Sur la grille de départ du prix de Soulac, 16 compétiteurs de 7 à 10 ans vont s'affronter sur la distance de 2700 mètres. Ma rayure est le 10 Forum Mélois. Il a effectué sa rentrée le 8 octobre dernier sur l'hipporome de Caen. Il risque d'être encore à court de conditions et je le préfère avec l'âge sur des profils plats, c'est sans moi. Mon tube est le 4 Falco d'Avaroche. Après une course sage en province, il est présenté en mode compétition, pieds nus et surtout avec Éric Raffin avec lequel il a signé 5 succès en 9 sorties. Capable de faire le dernier kilomètre sans demander la permission à ses petits camarades, il arrive à 100% pour son premier objectif de l'hiver. Mon tocard est le 16 Concerto Cointry. À 10 ans, il retrouve une seconde jeunesse. Repéré lors de sa dernière sortie à Caen, il bénéficie d'un engagement sur mesure et peut se rappeler à notre bon souvenir, comme l'an passé, où il se classait 4e d'un quintet à plus de 80 contre 1. L'histoire va se répéter. Le magot est bientôt dans votre poche. Je vous propose un quintet en champ réduit, avec le 4, le 8, le 11, le 16 et un X, associé à l'As, au 2, au 3, au 5, au 7, au 9 et au 12 pour la somme de 12 euros. Comme j'ai un cœur d'artichaut, chaque fin de semaine, j'autoriserai à Isaac et Anthony un petit plaisir gustatif des gâteaux secs aux graines de sésame. N'oubliez pas, si vous voulez toucher un conseil d'amis, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.